tort, bien. Voilà, alors on se retrouve sans les ghasts. Donc désolé les amis les ghasts, mais je ne pouvais rien faire avec vous. Je n'ai pas fait les petites lampes d'un peu de redstone là, mais je les ferai pour la prochaine quarry. Donc, ça sert à agrandir les quarries. Dégage toi. Ok. Ah. Je me disais, voilà, ça me donne la bouffe en plus. Donc voilà, donc on éclaire déjà un peu la zone. Donc c'est une petite quarry pour l'instant, mais c'est pas grave. Mince, j'ai pas tout pris. Donc c'est pas. Alors, bon, on attend que ce soit le jour, on pourra le faire. Donc on va mettre ça un peu plus loin. Hop, hop et hop. Donc nos trois panneaux solaires. Ensuite, les trois, donc ils doivent repasser. Bon, c'est parce que ah non. À la même repartir à la au même endroit, donc on va mettre ici. Ouais, donc ici on doit mettre, on va pas mettre la bad box, je pense. Faut qu'on mette un MFE, tac. Voilà, avec le petit trou normalement ici, et ensuite, et mince, j'ai encore oublié un truc. Tac tac tac. Il nous faut un moteur. Ouais, il nous faut un moteur. Ouais. Donc on va retourner dans le monde normal. Il nous faut un electronic engine. J'espère que c'est assez facile à crafter, je me rappelle plus jamais. Alors electric engine. Oh yes, ça va. Alors le piston, tac tac tac, ok, ça j'ai tout. Et on va même en faire, essayer d'en faire deux d'un coup. Il nous faut genre juste deux tin. Non, si je vais pas regarder comment on faisait. Donc avec une stone. Ok. J'ai du bois sur moi. C'est parfait. Alors c'est parti. On va déjà commencer par faire. Et non, c'était pas comme ça. Hop. Tac. Wow. Okay, j'ai fait une bêtise, voilà, comme ceci. Tac 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 tac. Du de wooden gear.
En fait, l'épisode sera un peu plus long parce que l'histoire de l'Aquaris, c'est assez important. Donc, j'ai peut-être fait trop de trucs dans cet épisode. Tac, mais on verra bien. C'est pas bien grave, même si ça prendra un peu plus long pour charger. Tac, 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 tac. Deux comme ça. Et ensuite, il nous faut alors du tin. Il en faut 3 pour en haut. Et ensuite, 8. Voilà, j'étais sûr que j'en avais juste pas assez. Donc il faut que je puisse en avoir en haut. Sinon, on est dans la mouise. Tac. Ok, donc j'ai passé tous mes coffres. Ok, il y a intérêt qu'il y en ait en bas. Plus il fait jour dans ce monde, donc ça charge mon panneau solaire. Au pire, on en fait cuire juste un. Juste un. Il faut un. Pire. J'ai une A0 qui cuit là-dedans. Allez. Pourquoi il y a des... Je pense qu'il est vide. Ah non, même pas. Allez, un. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Attendez, je regarde juste aussi un truc upgrade. Non. Oui. Celle-là, est-ce qu'on peut la faire facilement? Oh ouais, c'est un peu chaud à la faire, mais on pourra la faire. C'est pour que les machines tournent plus vite. Ah ouais, mais en fait, ça va en faire deux. Tac. Tac. Voilà, comme ceci. Et on peut remettre notre passeur. Et ouais, dès qu'on aura nos deux petites îles, donc un qui va avec lui. Puis ça nous fera directement un petit deuxième. Voilà, comme ceci. Tac, tac, tac. Ah, j'ai du plaisir à tourner. C'est magnifique. Ah là là. Alors. Hop. Tac, 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 tac. Mince. Je peux pas faire... Oh, il faut que je me tape comme ça. Hop. Et mes deux. Non, c'est pas comme ça. Comment fait-on? Électronique. Comment ça? De tin et de... Bah, c'est ce que j'ai fait, non? Stone. Tin, 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 tin. Oh mince alors, c'est du silver. Ah ouais, il est là mon tin. J'en ai assez en fait, je suis bête. Je suis bête. Pff, oh là là, ça se confond tellement. En tout cas pour moi, après je sais pas vous. Hop là. Voilà, ensuite notre piston. Je ne sais jamais comment on craft aussi. Ok, alors deux cobble, une redstone et en fer. En fer, une redstone, deux cobble et trois bois. C'est bon. Alors, tac. Deux cobble. Trois bois. Une redstone. Deux autres cobble. Et un fer. Voilà. Et ensuite, il nous faut du verre. J'espère que j'en ai un haut. Normalement, je dois en avoir. J'ai un peu des allers-retours. Faut vraiment que je fasse des escaliers, des vrais, comme ici. Moi, c'est plus rapide. Hop. Ah mince alors. Oh aussi on va prendre aussi un petit four. Bon j'ai pas pris de bon, c'est pas grave. Ouais. On va le mettre en bas pour le truc vite fait. Puisque ouais l'électronique ça va à un moment. Enfin ça va bien, mais pas toujours. Voilà. J'avais dit quoi? Ah oui, du sable. Petit de sable, donc je me suis fait pas mal de coffres en diamant. Non, c'est pas pris, j'ai pas pris le bon. Hop, super, j'ai pas de sable là. Ouais, je me suis fait pas mal de coffres en diamant. J'en ai pas du tout. Attendez, j'ai pas de sable. What the fuck, quoi. Je griffe moi propre la propre entrée. Bon, des fois, c'est ça qui sont pas super pratiques. Je dois vous l'avouer. Tac. Allez, chauffe. J'espère qu'il y a assez pour faire un verre. Un seul. Bon, on est déjà à 20 minutes de vidéo, un peu plus même. Donc, ouais, c'est pas grave. Mais c'est assez long à faire. Donc, tac. Et 3 tines. Donc, je dis cela, c'est pas bien grave. Hop, un piston. Tac. Et mes deux, c'est vrai, mes deux petits
petite à côté. Voilà. Donc on a tout. On peut retourner. Pardon. Dans notre monde de la quarry sans mob magique. Tac. Alors. On va peut-être un peu. Et mince, j'ai encore oublié quelque chose. Alors je vous ferai ça peut-être. Ouais, je ferai ça dans le prochain épisode. Hein. C'est pas bien grave. Alors. On va mettre un élevé transforme. Tac tac tac. J'ai pas ma vraine sur moi. Bon, super, ça va pas comme ça. J'ai un peu peur là. J'ai peur. Ouais. Alors, désolé pour cet épisode un peu long mais court. Mais en fait, je viens de réfléchir, mais je le ferai la suite dans le prochain épisode. Donc, on a vu dans cet épisode donc comment faire un MFE et un élevé transformer et comment faire la quarry, enfin le début. Puis c'est une longue histoire, donc j'aurais peut-être dû faire le MFE et la bad box dans avant quoi. Donc voilà, fin de l'épisode 10. Je suis désolé, donc voilà. Donc la suite, ça fait aussi un peu de suspense, mais il devrait être dans les 2 jours qui suivent à peu près. Allez, à plus. Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est Mister666. On se retrouve pour ce 11e épisode de Comment bien débuter sur Feed the Beast. Et on se retrouve dans notre monde de l'aquarie. Comment c'était laissé la dernière fois? Les nouveautés. Donc, je me suis fait un Electronic Wrench. Comme wrench. C'est pour être plus. Voilà, ça consomme moins que ça. Voilà, donc comme ceci, donc vous savez tout faire. Et ensuite, vous la chargez comme pour la Tri-Trap électrique. C'est pareil, donc dans le générateur. Ensuite, je me suis aussi fait 2 Ender Chests, puis ça sera utile. Donc les MFE et LV Transformer, je les ai cassés à la wrench aussi. Et bien sûr, j'ai oublié encore quelque chose d'important, mais que j'aurai le temps pendant que la quarry charge. Il faudra aussi que je me fasse un World Ender pour qu'elle marche, je pense. Voilà, donc en fait la quarry ne marche pas directement à l'énergie. Mais non, ça je vais. Tac. Donc elle marche pas directement à l'énergie, mais au moteur. Donc le moteur lui il marche à l'énergie. Donc vous collez un moteur donc avec le truc bleu sur la quarry. Vous devez vous crafter un levier pour pouvoir enclencher le, enfin quoi que vous, enfin ce que vous voulez en fait, pour pouvoir vous, bien sûr je me trompe à chaque fois, pour pouvoir vous faire, pour enclencher donc soit une torche de redstone si vous voulez, pour enclencher, on ne va pas attendre puisqu'il n'a pas d'énergie, mais pour enclencher le moteur. Donc il faut pas enclencher directement à la quarry, mais tout simplement au moteur. Celui-là on peut l'enlever. Donc et donc maintenant si on regarde. Ouais, donc là j'ai enlevé le MFE, mais je peux aussi le mettre. En fait, je vais peut-être le mettre si les 3 panneaux solaires ne suffisent pas. Tac. Alors en fait, le petit rond, normalement, je crois que c'est la sortie. Et on peut aussi le tourner grâce à ça. Voilà, vous cliquez à l'endroit où vous pensez, où vous voulez le mettre. Donc, sinon, vous vous mettez. Voilà, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais à l'endroit comme ceci. Et on peut lancer. Donc celui-là d'abord il va se charger et ensuite la quarry va se faire. Donc pendant ce temps et ensuite il faut qu'on se dépêche de retourner à la base pour faire quelque chose de très important et très 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 utile. Enfin tout ce que, le plus vite possible. Voilà. Alors je pense qu'il va nous falloir du verre. Non c'est pas ça. Alors c'est des pipes. Donc ça transporte l'autre. C'est le transport d'autres énergies. Donc attendez, on va aller à l'endroit à nos sacs de coffre, ça sera plus facile. Voilà, alors des pipes, il nous faut d'abord un stone transport pipe. Voilà, donc c'est facile en fait. Donc il faut juste de nouveau que j'ai du verre. Mais c'est bizarre que j'en ai pas, que j'ai pas de sable. C'est vrai, on peut pas recrafter.
Mais il me semble qu'on avait pourtant. Je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Miner 06. Peut-être aveugle, mais il me semble. Moi, j'ai pas de sable. Ça m'embête un peu quand même. Bon, on va l'en miner, éviter un tout petit peu. On va peut-être pas le miner là. Puisqu'il nous faut aussi un truc qu'on fait avec du diamant. Hop, vite fait. Donc vous voyez que c'est un peu moche avec les courants, mais c'est pas grave. Ça sera plus joli après, je l'espère. Donc excusez-moi pour avoir coupé l'épisode 10 un peu trop tôt, mais j'avais des doutes et... Ouais. Donc le MFE n'est pas nécessaire puisque le moteur peut prendre même du 512, donc c'est la prochaine taille de... Enfin, je veux dire, ouais, il peut prendre toutes les énergies possibles. J'en ai pris combien? J'espère que j'en ai pressé 15, ça devrait suffire. Faudrait juste le faire cuire. Pour ça, on va même prendre du charbon. Wow, j'en ai un peu beaucoup. Voilà, comme ça, c'est vraiment ça. On aura le temps pour toutes les fois. On aura, ok, super, petit freeze, c'est pas bien grave. Hop, voilà, j'ai eu un cristal, je peux me poser. Donc un under chest pour l'instant, on va en poser un ici. Donc je pense que vous savez comment ça marche les petites couleurs, je sais pas. Donc avec des colorants vous pouvez colorer les trois petits trucs, et donc il faut colorer deux under chest la même chose pour que ce que vous mettez dans l'un arrive dans le même. Si par exemple vous mettez, enfin, si je mets rien, ça va apparaître dans un autre qui a rien. Si je mets genre par exemple rouge au milieu, il faut que je mette un autre rouge au milieu pour que je puisse qu'il puisse apparaître. Voilà, maintenant il faut aussi que je fasse cuire de la stone. Attends 2 secondes. Que je puisse faire d'abord ça. Et aussi, après il faut qu'on ait des diamond pipe. Donc ouais, il nous faut du verre. Donc il nous faut pour l'instant deux stones. C'est pas trop. Et j'espère que l'aquari a tourné pendant notre absence. C'est assez. Ouais, ça c'est primordial. Ça, au pire, je mettrai un World Launcher pour la prochaine fois. Voilà, deux. Ok, parfait. Tac. Alors, il nous faut aussi deux petits diamants. Donc, ça va. Ça coûte pas trop cher en ressources. Mais c'est vraiment pratique. Vous verrez, c'est un peu de l'automatique. Voilà, 8 comme ça. Et j'en ferai plein par la suite. Puisque ce sera vraiment utile. Ensuite, bon, là, c'est juste des transports. Ensuite, pour transporter l'électricité, c'est Conductive Pipe. Voilà, on peut retourner dans notre monde. Donc on est toujours en peaceful pour éviter tous les mobs et... Puisque vous... Puis voilà, donc c'est pas bien important. Voilà, donc à voir, elle l'a construit, elle a même commencé à crafter. Donc vous voyez, elle a recraché tout par en haut. Donc c'est parce que donc tout ce qu'elle mine, elle récupère et elle rejette par en haut. Donc vous pouvez me voir ici. Donc on lui met un stone pipe. Donc ça transporte, puisqu'elle pousse directement, ça va sortir. Ensuite ici, alors ouais, vous voyez là ça sort. Bon, c'est pas grave pour l'instant, ça... On va mettre un diamond. Ben, j'ai même oublié de faire un. Ok, donc faudra qu'on fasse ça aussi. Donc, je vais aussi retourner faire ça. Donc un diamond pipe, vous voyez deux couleurs et même une troisième maintenant. Donc c'est un filtre. Donc par exemple ici, je mets l'under chest en dessous, donc tout ce qui va passer par là va descendre. Donc là pour l'instant c'est aléatoire, c'est pas bien grave. Donc tout ce qui va descendre là dedans ça ira, mais donc on veut par exemple que tout le sable par exemple il aille sur le... Bon, pour l'instant on va le mettre sur le noir. Donc, par exemple, voilà, maintenant il y aura tout le sable qui va descendre dans le noir, donc c'est un filtre. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas du sable va aller dans le jaune. Donc ça va pas. Donc c'est à dire plutôt que dans le jaune, je vais mettre quelque chose par exemple. Je peux mettre pour qu'il n'y ait vraiment rien qui passe. Donc tout passe dans l'under chest pour l'instant. C'est-à-dire que dans le jaune, je vais mettre un truc qui va jamais pouvoir être possible. Vous voyez, maintenant tout va passer là, sauf le cuir qui va passer là. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc on va laisser tourner un peu. Ouais, elle a pas beaucoup d'énergie. Donc ça je pourrais venir la charger au pire. Puisqu'il consomme directement. Donc voilà, bon après le sable on va le faire passer de l'autre côté puisqu'on aura beaucoup trop puisqu'on est dans une zone sable. Voilà, donc je vais juste faire un void pipe ou sinon vous pouvez mettre directement dans la lave, hein, tout ce que vous voulez pas. Donc
C'est pas bien grave. Enfin, il y a deux possibilités. Donc là, je vais faire un void en espérant. Alors, il faut bien sûr. Je pense que j'ai pas ce qu'il me faut. Donc, on va aller chasser le poulpe un petit peu le temps que la quarry commence un peu. Et je vais juste vous montrer aussi après l'under chest. Et vous verrez aussi comment on peut. Après, on pourra tout faire automatique le triage des coffres de ce qui revient de la quarry. Ici, je pense qu'on a fini nos minerais. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse sortir un peu de tourner la machine. Tac. Ensuite, on peut venir là. On va faire cuire. Il faut du tin un peu. C'est assez important. Ah, j'ai tout ça de tin qui est pas mal. Je pensais pas. Dans le macérateur. Voilà, comme ceci. Et une fois un poulpe. Pouh, c'est profond là. Wow. Poulpe, 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 poulpe. Oh là, c'est loin. Pourquoi il n'y a aucun poulpe plus près que ça? Donc, ouais, la maison pour l'instant elle a pas tellement évolué puisque maintenant ça sera plus niveau. Enfin, maintenant les ressources de base on s'en fout un tout petit peu. Donc là, je suis venu miner du sable au cas où pour ceux qui se demandent pour rien trop. Ouais, donc la maison maintenant ça sera plus la priorité. Même si, ouais, bon, je peux pas trop la décorer la maison. Je suis assez petite, mais c'est plutôt la priorité. La priorité maintenant c'est tout ce qui est énergie et les mods. Aussi, donc. Vous faire un truc assez intéressant. Je vais peut-être vous montrer, je sais pas. Ouais, on va vite vous montrer. Je vous explique peut-être de sans vous spécialement crafter, puisque un barrel, voilà, c'est ceci. Donc c'est vraiment pas dur à crafter. Vous le posez et ensuite vous faites un clic droit dessus, si je dis pas de bêtises. Et vous posez tout un stack et vous pouvez poser jusqu'à 64 stacks. De ce que vous posez. Donc si par exemple vous mettez de la cobble, vous pourrez poser jusqu'à 64 stacks de cobble. Donc c'est aussi pas mal. C'est aussi une sorte de stock, mais juste donc ça vous prend un bloc et vous pouvez stocker 64 stacks de un minerai. Je sais pas si par exemple vous allez miner longtemps et vous voulez rentrer, bah, vous posez tout là-dedans et voilà, vous pouvez revenir après. Ah mince, il fait nuit, donc ça l'aquarium ne tourne pas, vous voyez. Ça nous laisse le temps de faire ce que l'on veut. Dans le jaune, donc ça, le void c'est un truc qui part dans le néant, donc on le retrouve plus. Donc mince, peut-être pas que je mette deux. Donc ça retrouve plus. Donc maintenant on va peut-être pas mettre ça, mais par exemple après dès qu'il va arriver à la cobble et à la terre, donc on prend un petit cobble et un petit terre. Pour l'instant le sable ça va, mais faut jamais reposer avec ça. Hop, donc. Le jaune, il y aura jamais la. Donc toute la cobble et la terre va passer dans le jaune et va disparaître à jamais. Donc c'est assez pratique, donc c'est pas ça fait ça ne donne pas de surplus. Ici, est-ce qu'on peut pas mettre quelque chose? Non, pas spécialement. Donc voilà, donc la notre quarry est donc finie, elle est opérationnelle. Il faudrait peut-être essayer de me faire un lit ici, comme ça je peux essayer de passer le jour. Enfin la nuit, je sais pas si c'est possible. On va aussi prendre un peu de cristal, donc c'est aussi c'est une sorte de glowstone, ça pourra faire un peu de déco. Je sais pas, attends, est-ce qu'il y a une utilité à ça? Le petit coup de lag avec la touche U, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Je vous explique pas. Aussi, ouais, vous avez l'instabilité du monde, il est assez tranquille, quoi. Vous voyez, j'ai juste hunger, mais ça me gêne pas trop, puisque là je suis en peaceful. Et j'ai weakness, donc aussi en peaceful, donc à part si je tombe, ça fait rien. Donc le petit lag qui m'énerve à chaque fois. Faut que ça ait pas craché de nouveau. Hein, voilà, bon, super. Alors, on a fait un épisode de. Toc, 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 ouais, bah, je crois qu'on a fait 20 minutes. Hein. Donc, je pense qu'on va se laisser sur cette magnifique image. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Et on verra comment l'aquarie a bien avancé. Et on verra la suite. Allez, à plus.